Ce que je veux donner à entendre dans ce cours, c'est une information sur les éléments qui forment la musique de nos jours. Il y a des choses comme la technologie qui sont rentrées en force récemment, enfin depuis une vingtaine d'années dans notre univers, qui ont considérablement modifié notre perspective artistique. L'informatique se loge là où les instruments s'arrêtent. Parmi les objets sonores qu'on peut imaginer et que j'ai utilisés, on peut imaginer un archet de violon infini, par exemple. On peut imaginer une trompette qui ferait 20 mètres de long. Et j'ai découvert que ça donnait des sons totalement inattendus. Ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'il y ait cette confrontation entre un temps humain qui est joué par les instrumentistes, qui réagissent avec leur pulsion, leur inconscient, avec tout ce qui produit l'interprétation, et les machines qui n'ont aucune notion du temps, c'est-à-dire que le temps n'existe pas pour elles. L'interprète est le maître du temps, c'est-à-dire qu'il va jouer quelque chose, c'est lui qui va imposer son temps à l'œuvre. Il faut que la machine s'y adapte.